Lupina pour Alexandra Lederman, la colline aux chevaux sauvages, le dernier épisode, je pense. La semaine dernière, je vous ai fait un truc pas très cool, mais ça m'a beaucoup fait rire. Du coup, on va voir le dénouement de l'histoire. Vous avez assez attendu. J'ai compris. Bravo, Liam, tu as compris qu'il fallait mettre des préservatifs. Wouh. Pardon, excusez-moi, ça n'a aucun rapport. J'ai compris ce qui s'est passé. Je sais pourquoi les juments sont devenues stériles. C'est logique en fait, les juments n'ont pas eu accès à leur remède naturel. Elles ont donc continué à s'intoxiquer. S'intoxiquer, oui, c'est bon, je l'ai bien dit. Avec le trèfle noir, c'est à cause de ça. C'est à cause des éboulements. J'ai rien compris. Admettons que tu manges deux aliments, un très mauvais pour ton corps et un très bon. Les deux s'annulant, tu ne tomberas pas malade. Ouais. Je suis pas sûre de cette théorie, hein. Je suis pas sûre de ce raisonnement non plus. Est-ce que c'est scientifique? Je suis pas sûre non plus. Admettons. Imagine que tu n'aies plus accès au bon aliment, tu continues de manger le mauvais par habitude et tu tombes malade. Les mustangs n'avaient plus accès à cette plante depuis l'éboulement. À part la femelle de Shyama qui est restée coincée avec. Et si la jument est pleine, c'est que la plante fonctionne. Les juments de reproduction n'ont pas eu ce problème. Elles, c'est à mon avis grâce à leur alimentation dépourvue de trèfle noir. Peut-être aussi qu'étant une race différente, elles sont plus aptes à résister. Ouais. Ouais, ouais. J'espère que ta théorie est la bonne, Liam. Je l'espère aussi, Lily. Ça fonctionne. Cette plante, elle annule les effets de stérilité. Vous êtes sûre? Oui. Il faudra un peu de temps avant que les juments soient complètement guéries. Mais elles vont aller mieux. Ouais, super! Elles sont sauvées, Lily. On a réussi. Lily, ça va? J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Tout va bien maintenant. On a réussi. Elles sont sauvées. À propos, Lily, je vais venir vivre chez toi maintenant. Quoi? Oui, j'en ai parlé à ton oncle, il est d'accord. Lol. Dylan? Non, c'est pas possible. Je n'aurai plus à subir l'influence de mon père. Et puis, après ce que j'ai fait à l'écurie Van Guinness, il va faire de ma vie un enfer. Tu me fais marcher. Ben non. Hors de question. Mais mes affaires sont prêtes. Je n'ai plus qu'à rentrer avec toi. On est complet. Lol. Et voilà! Carla viendra-t-elle vivre chez moi? Je n'en sais rien. Mais finalement, c'est grâce à elle que nous avons pu sauver les Mustangs. Si elle n'avait pas su apprivoiser Shyama, nous n'aurions jamais trouvé la plante qui les a sauvés. Maintenant que nous avons résolu le mystère des Mustangs, je vais devoir quitter la réserve. Mais je suis heureuse. Heureuse d'avoir pu aider les Mustangs. Heureuse que Carla ait changé. Heureuse, tout simplement. Voilà, voilà! Le jeu est fini, les enfants! Voilà, donc nous avons le magnifique générique. J'ai fait un nouvel épisode pour 3 minutes. C'est génial. du coup, bah, c'est pas grave. Bah, l'épisode sera bien évidemment plus court. Je peux pas faire un épisode de 3 minutes, c'est pas possible. Mais ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a déverrouillé toutes les juments et tous les étalons, on va essayer de faire le poulain parfait. Donc je vais faire grandir... mon autre pouliche plutôt. Je sais plus le nom que je lui avais donné. Est-ce qu'on peut passer ce générique ou on est vraiment obligé de le taper? Ah! On peut le passer. Le lendemain. Les juments de la réserve sont maintenant guéries de leur stérilité. Elles sont désormais disponibles pour la reproduction si tu les as mises en confiance. Donc techniquement on a mis tout le monde en confiance. Il nous reste un cheval à mettre en confiance. Mais avant, on va aller faire grandir le poulain. J'avais dit que je le ferais hors caméra, mais dans le feu de l'action, puisque je tourne cet épisode après l'autre, bah autant le faire tout de suite, puis ça nous fera un peu de contenu, j'ai envie de dire. Donc on va faire grandir la petite. Et ensuite on ira apprivoiser, au pire on s'en fout hein, j'ai envie de dire. Oui je veux le soigner. Donc on va faire toujours le même truc, on va faire toujours la brosse et puis on s'en fout quoi. On est des thugs. Allez, allez, allez. C'est l'heure de ton brossage. L'heure de ton brossage. Gna, gna.
tu vas être magnifique. Mais oui, elle va être magnifique. Moi, j'aimerais bien savoir combien de trucs il reste. Je crois qu'il en reste 4 à faire, donc on va le faire 4 fois. Je suis désolée, c'est un petit peu redondant. Un petit peu. Où as-tu encore été te rouler ? J'ai envie de dire dans ton... box ? Box ? Tu vas être... Ah oui, petit pouling ! Aujourd'hui, je sens que ça va être ma... ma journée vidéo. Je sais qu'on s'en fiche totalement. Je pense que je vais enregistrer pas mal de vidéos aujourd'hui. Donc ne vous étonnez pas. Il y aura bientôt un nouveau micro, il faudra aussi que je vous fasse une annonce, bref. Ah bah c'est bon, elle est grande. Ah bah je croyais qu'il restait plus de points que ça, moi c'est parfait. C'est perfect. Bah écoutez, on va la prendre pour aller... elle est où? Elle est là-bas. On va la prendre pour aller se promener. Hein? Alors, monter. Voilà, comme elle est mignonne, la petite. Donc les plaines, je sais plus où c'est par contre. C'est là-bas qu'on avait un nouveau cheval. Je crois que c'est le 2, les plaines, hein, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du tout. Si c'est ça, hein. Ouais, c'est ça, les plaines. Voyons voir. Ah bah oui, c'est là. Alors, voyons voir. Sauvage. Ami. Ouais. Ami, d'accord. Donc c'est eux. Oui, enfin, je sais même pas pourquoi je l'ai cherché plus loin. C'est elle qui nous manque. La petite. Allez. Une jument. Elle est trop kiki. Mais du coup, comment ils ont récupéré la jument et sa pouliche en fait? Je suis sûre que tu te demandes qui je suis. S'ils avaient plus accès. On ne le saura jamais, voilà. Regarde. On ne le saura jamais. Elle est trop mignonne, B, comme ça. N'aie pas peur. C'est toi le plus gros de nous deux. Bah oui, c'est toi le plus gros de nous deux. Allez, qu'est-ce que c'est mou ce jeu? Mais c'est mou! On se croirait à l'hôpital quoi, 3 heures pour un truc qui en prendrait 5. Qui prendrait 5 minutes. Si je m'exprime mal en plus, on n'est pas rendu les mecs. Ouais, j'exprime ma joie. Ah, je te plais? Je te plais. Je suis sûre que tu aimerais une caresse. Ah oui, fais-moi une caresse. Du coup, le let's play fera clairement pas 30 minutes. Hein. Je vais pas passer ma vie à faire des poulains, quoi. Ça va pas être très passionnant. Mais je pense qu'il va durer peut-être 15 minutes. Voilà, la moitié. Je cherche des baies. Donc ce sera un épisode plus court, mais j'espère quand même que ça vous plaira. Moi je vous ai fait attendre une semaine pour 3 minutes de dénouement. Oui, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ça. Alors, je le fais vraiment rarement dans mes vidéos, ce genre de cliffhanger, donc désolée, je pense que vous n'êtes pas beaucoup à suivre non plus cette série, donc c'est pas grave si j'en ai frustré un petit peu. Non, mais franchement, ça se fait pas, j'aurais été à votre place, moi je me serais déglinguée dans les commentaires. Oh, espèce de morue. Morue, c'est mon expression du moment. Voilà, enfin, mon insulte du moment plutôt. Dès que j'aime pas quelqu'un, je dis morue. Voilà, c'est passionnant ma vie. Méfiante. J'ai
tu ne vas pas être méfiante longtemps, ma petite. Mais. Si j'ai bien compris, tu veux ton fruit préféré. Bien fait d'aller en chercher, hein. Plateau pleine. Bon, on en avait déjà. Ah, oh, c'est cool, elle a queue de trait. Parfait. Perfect. Ta croupe te démange? Laisse-moi m'occuper de ça. Ta croupe te démange? Gagné. Hop là! Et voilà, c'est notre nouvelle meilleure amie. Bon, bah du coup c'est cool. Pump it up. Bah tiens, on va s'enquiquiner, hein. C'est moi ou elle a les seins à moitié bizarres? Tu as les seins bizarres, Lily. On en parle ou pas? Lily ou le ranch? C'est où la sortie? La sortie est demandée. C'est par là. Moi et mon sens de l'orientation, je vous jure. C'est pitoyable, hein. Allez, Frankie. Alors, je suis désolée si vous entendez la tondeuse de dehors. Je sais pas si vous l'entendrez. J'espère pas. Je projette une nouvelle série. Je sais, c'est cool ma vie. Je projette une nouvelle série sur My Sims. Je ne vous en dis pas plus. Je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Et voilà. Du coup, ah oui, un poulain. Donc on fait un poulain et ensuite on va se laisser là. Donc c'est clairement la fin du jeu. Hein. Il n'y a plus rien à faire. Je crois qu'on peut refaire les compétitions si on veut. Mais franchement, vu la tronche des compétitions, sans vouloir être méchante, j'ai aucune envie de les refaire. Et non, elles sont mauvaises ces compétitions, je dois l'admettre, pour avoir joué à tous les Alexandra Lederman, je peux pas quoi. C'est nul par rapport aux compétitions du 5 ou du 4, c'est pas possible quoi, c'est clairement pas possible. Alors je n'ai pas débloqué Willy par contre. Il y en a pas un qui est un peu à Palouza, là, ça a pas l'air, bah du coup je sais pas. On va prendre lui et on va voir avec les femelles. Donc, les juments du plateau. Des plateaux. Il n'y en a que 5. Non, il y en a plus que ça, je pense. Ah, oui, d'accord. Alors, non. Non. Ah, attendez. Elle est un peu à Palouza, elle. Ça pourrait être intéressant. Elle est pommelée, donc je sais pas. Ah, écoutez, on va prendre celle-là. Et du coup... Je sais même pas où il est, lui. C'est bon, on va prendre lui. On va voir. J'espère vraiment que ça va le faire. Mais je ne sais pas. Je suis à présent ton poulain. Tiens, c'est un mâle pour changer. Donc, ouais. Ça n'a pas du tout l'air d'être... On va prendre ça. Ah! Ouais, c'est très vite fait, hein. Eh bien, je suis désolée, Flo, mais il n'y a pas de possibilité d'être à Palouza. Donc ça, c'est très vite fait, quoi. Mais je peux pas faire mieux, du coup. Donc désolée, j'aurais essayé. Bah oui, enfin, elle me plaît. Non, mais de toute façon, on ne peut plus revenir en arrière. Il va s'appeler, on va l'appeler Flo, voilà, et puis dédicace à toi, même si tu es une fille. D'ailleurs, non, ça ne me convient pas, je vais l'appeler, voilà. Oui, ce nom me convient, le poulain est né, et les
l'épisode est terminé. Comme j'avais dit, ça fait plus de 15 minutes en plus. Donc l'épisode est terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que la série vous aura plu. Que vous êtes quand même bien amusé sur ce petit jeu. Si vous n'avez pas grand chose à faire une après-midi, que vous ennuyez un petit peu, je vous conseille de le faire. Vous pourrez faire vos propres poulains. Bon, vous verrez, c'est un peu mou, mais bon, c'est sympa comme, quand même. Enfin, si vous aimez les choux, évidemment, parce que si vous aimez pas, ça va pas trop vous intéresser. C'est une histoire un petit peu mignonne. Bon, je vous le conseille en tout cas, parce que par contre, il y a zéro difficulté. Hein, si vous avez un petit vrai de 3 ans, je pense qu'il peut le faire avec dans le nez. Mais du coup voilà. Donc, et si ça vous intéresse pas, enfin si vous aviez des doutes, ça fait un peu un test de jeu. Bref, je m'embrouille totalement. Donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu s'il vous plaît, à partager ma vidéo, à dire que je suis génialissime. Non, je déconne. À mettre un commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé d'ailleurs. Tant que la critique est constructive, je l'accepte, qu'elle soit positive ou négative. Si vous avez des idées de jeux ou des envies de jeux sur lesquels je pourrais faire une série, que ce soit un jeu de chevaux ou un autre jeu auquel vous avez joué dans votre enfance, eh ben, n'hésitez pas à me les proposer. Je ne vous dis pas que je le ferai tout de suite, mais ça pourrait être envisageable de le faire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis salut !